baisé, il est revenu avec nous. Comment pouvons-nous le chercher? Parlez-il. Mais aussi, il dormait aussi comme toi et moi. Vous comprenez? Encore une fois, aujourd'hui dans notre programme, l'école du Saint-Esprit, je vais partager encore une fois avec vous un verset, comme d'habitude, de notre exhortation, comme on a toujours l'habitude de partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons lire aujourd'hui le livre d'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, nous allons lire Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47, le 5 premier verset. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieure de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on pouvait traverser. Ça, c'est la parole de Dieu. Père, nous te bénissons pour ces moments que nous allons partager ta parole. Que ton esprit puisse nous aider à comprendre ce qui est caché dans cette écriture que nous venons de lire. Sois glorifié dans cet instant par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ok, bienvenue le Seigneur. Là, nous venons de lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, du verset 1 au verset 5. Ici, on nous parle de l'eau, de quelqu'un qui devait traverser l'eau. D'une personne qu'on devait faire traverser l'eau. Et pendant cette traversée, l'eau monter, si on peut dire ça comme ça. Avant, quand il a avancé, l'eau c'était au niveau des chevilles. Après, l'eau est arrivée au niveau des genoux. Quelques temps après, l'eau a atteint le niveau des reins. Et après, l'eau s'était arrivée à un niveau où qu'il fallait nager parce qu'on ne pouvait plus marcher. Donc, cette personne devait être submergée par l'eau. Donc, ils étaient obligés de nager pour traverser. Qu'est-ce que je veux exhorter par ces versets? Ici, ça nous parle simplement de l'onction du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu. En tant que les enfants de Dieu, en tant que les chrétiens, nous devons savoir que la vie chrétienne,
n'est pas une religion. Nous avons plusieurs religions dans ce monde, mais la vie chrétienne n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Le christianisme, c'est Dieu qui a choisi d'habiter dans la vie d'une personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Qui veut dire, quand toi tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, automatiquement Dieu vient habiter en toi par son Esprit. Donc cela veut dire que tu deviens le temple de l'Esprit de Dieu. Alors cet Esprit-là de Dieu commence à fonctionner avec toi. Cela veut dire que notre Dieu commence à travailler avec toi. Dieu commence à fonctionner au travers de toi. Dieu commence à faire des choses à travers tes mains. Il commence à parler à travers ta bouche. Il commence à faire des choses dans ce monde au travers de toi. On peut dire ça comme ça. C'est pour cela que la vie chrétienne est une vie où nous devons avancer dans notre intimité avec le Maître qui est Jésus-Christ. Pour nous aider à améliorer notre communion, pour nous aider à améliorer notre marche, nous devons toujours nous attacher plus à sa parole pour que ça puisse nous aider à avancer. C'est comme dans cette eau, donc là, dans cette eau-là, là où ces gens devaient traverser, l'eau était au niveau des chevilles, après l'eau a été au niveau des genoux, et après c'est monté au niveau des reins, et après ils devaient nager parce que l'eau était devenue si profonde. Cela veut dire que quand tu commences à avancer la vie chrétienne, tu verras que nous, il y a des choses où ça va commencer à se détacher de toi. De même, des choses que tu faisais des fois avant, tu n'arriveras plus à les faire parce que tu commences à embrasser la vie chrétienne. Et après, il y a des choses qui vont commencer à quitter dans ta vie. Ou soit il y aura des choses où tu essaieras de les faire, mais tu verras que ça ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Christ maintenant qui a pris contrôle de ton être, de tout ton être, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Parce que tu es devenu son temple. Donc ton corps doit être entretenu. Vous comprenez? Par son esprit. Tu dois commencer à avancer toujours dans la lettre de la parole, dans la prière et dans la méditation de sa parole. Tu verras que non, tu vas commencer à monter dans des dimensions plus élevées de l'onction. Quand on parle de l'onction, on voit sa parole. Et quand sa parole commence à prendre place dans ton corps, dans ton cœur, dans tout ton être, tu commences à devenir un avec la parole de Dieu. C'est là aussi que l'onction commence à augmenter. Vous comprenez? Donc, tu dois monter dans une autre dimension de la puissance du Saint-Esprit par sa parole. Donc, ici, la Bible dit que non, l'eau était au niveau des chevilles. Ça veut dire que non, la personne avait commencé sa marche de la vie chrétienne. Et après, l'eau a monté au niveau des genoux. Ça veut dire que la personne a commencé à avancer. C'est vrai que non, il y a des choses où des fois, toi-même, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce genre de choses? Pourquoi je n'aime plus ça? Des choses que peut-être tu aimais beaucoup faire avant, mais tu commences à avoir des dégoûts de plusieurs choses dans ce monde. Tu verras que non, ça n'a plus d'importance. Vous comprenez? Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est toi et le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tu vous êtes devenu un. La Bible dit celle-ci, celui qui s'attache avec Dieu est avec lui un seul esprit. C'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 16 verset sur 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Vous comprenez? Donc celui qui s'attache avec le Maître est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Quand tu commences à avancer la vie chrétienne, c'est comme si donc, tu commences à monter dans une autre dimension où l'eau commence à monter. Ça veut dire que non, la puissance de Dieu commence à monter en toi. Après, tu verras que non, tu deviendras vraiment comme lui. Vous comprenez? Car elle a dit que non, nous sommes l'image de Dieu. Il dit que nous avons en nous la nature divine. Quand tu commences vraiment à rentrer dans la profondeur de sa parole, ça veut dire que tu commences à nager. Ça veut dire que là, tu es devenu comme lui-même le Maître. Parce que là, sa parole dit aussi que tel il est, tel nous sommes. Alors, ce genre de verset, ce n'est pas simplement pour le plaisir de le dire. Tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que non, tu as atteint une profondeur, un niveau plus élevé de la connaissance de sa parole et dans son intimité. C'est ça qui fait que non, tu es devenu comme ton Maître. Vous comprenez? C'est ça la pensée du Père. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions devenir comme Jésus-Christ. Parce que l'Esprit qui a dirigé Jésus-Christ, ou l'Esprit qui a resté Jésus-Christ,
C'est ce même esprit qui habite en nous. Vous comprenez? Nous sommes le temple de l'esprit qui avait resté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en toi. Alors, même lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, était revêtu de l'onction à plusieurs reprises, malgré qu'il était Dieu. Mais à plusieurs reprises, il devait être revêtu de la puissance de Dieu. Parce qu'il a fonctionné dans ce monde en tant qu'homme. La Bible dit que non, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Il a appris à faire l'œuvre de Dieu selon sa parole. Il a accompli la volonté du Père. Et car il a été obéissant, c'est ce que la Bible nous dit. Il a été obéissant. Même jusqu'à la mort, et à la mort à la croix, notre Maître Seigneur Jésus-Christ a fonctionné comme nous. Comme un modèle que nous devons suivre. Vous comprenez? Il a fonctionné en tant qu'homme. Il a eu mal. Il avait pleuré. Donc, il dormait aussi comme toi et moi. Vous comprenez? Donc, il a fonctionné comme toi et moi afin que nous puissions suivre ses traces. Afin que nous puissions accepter de payer les prix comme lui. Car nous sommes des chrétiens. Car nous sommes le temple de son esprit. Donc comme je dis, Jésus-Christ était revêtu de l'onction à plusieurs reprises. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 16, que l'esprit était venu sous forme d'une colombe descendre sur le maître Jésus-Christ afin qu'il puisse commencer sa mission qu'il devait accomplir sur cette planète. Et dans le chapitre 4 aussi, la Bible dit que non, il était parti dans le désert. Dans le chapitre 4 du livre de Matthieu, toujours, la Bible dit que non, Jésus-Christ était parti dans le désert. Et quand il est parti dans le désert, il est revenu avec la puissance de Dieu, et notre puissance, qui était supérieure par rapport à ce qu'il avait reçu lors de son baptême. Et quelques temps après, il devait encore aller à la montagne de transfiguration, où il devait être revêtu d'une autre dimension de puissance. Une puissance où il devait accepter de mourir. Pour l'œuvre de Dieu. Il devait accepter de mourir pour le monde. Il devait accepter de mourir pour payer les prix. Afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Alors pour faire tout ça, pour accomplir toute cette mission-là, il devait être revêtu d'une puissance, une autre dimension de puissance. Une puissance dans laquelle même l'ennemi ne pouvait plus rien faire. Ou l'ennemi ne pouvait même plus l'empêcher à accomplir sa mission. C'est pour ça, bien aimé, nous sommes obligés, nous aussi, en tant que ses disciples, de chercher la puissance du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous le chercher? Par l'intimité avec le Maître. Nous devons aimer sa parole. Nous devons aimer la vie des prières. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons examiner toujours notre vie, notre marche de tous les jours. Comment nous fonctionnons? Comment nous faisons? C'est tout ce que nous pouvons faire dans ce monde. Nous devons le contrôler au travers de la parole de Dieu. Si ce que nous faisons est en accord avec la parole. Nous devons corriger les erreurs de tous les jours. Veillez à tout ce qui sort de nos bouches. Veillez à nos actes. Vous comprenez? Car l'ennemi est là. Il cherche toujours à détruire nos vies. L'ennemi est là, il cherche toujours à te pousser loin de la parole de Dieu. La Bible dit résister. Résister à l'ennemi et il fuira loin de ta vie. Si Jésus-Christ avait résisté en tant qu'homme, nous aussi nous pouvons résister. C'est ça qu'il a dit une fois aux disciples qui étaient avec lui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que Jésus-Christ les a enseignés ou les formés pour qu'ils aussi puissent devenir comme lui. Jésus-Christ veut que nous puissions être des maîtres aussi comme lui. Afin que nous puissions aider les autres à avancer aussi dans la vie chrétienne. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Car vous êtes enseigné depuis longtemps, il vous enseigne, depuis longtemps vous écoutez la parole de Dieu, depuis longtemps vous êtes dans la vie chrétienne.
Mais jusqu'à quand devons-nous continuer toujours dans des bêtises ou dans des erreurs? Rentrons dans la vie des prières. Rentrons dans la méditation de la parole. Rentrons dans la lecture des Écritures de l'Esprit. Cherchons l'intimité avec le Maître. Afin que nous puissions revêtir notre puissance de son esprit. L'eau était au niveau des chevilles. Nous venons de lire Ézéchiel chapitre 47, verset 1 au verset 5. L'eau était au niveau des chevilles. Et puis l'eau a monté au niveau des genoux. Et après c'était au niveau des reins. Et après l'eau était si profonde que personne ne pouvait traverser. Alors il fallait nager. Ma prière est que nous puissions être remplis ou revêtis de la puissance de Dieu. Que nous puissions commencer à dégager sa puissance. Car nous sommes le temple de son esprit. Nous devons sortir de toute forme de distraction. Quittez la distraction. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Car le monde doit être sauvé par la parole de Dieu. Par toi, mon frère, par toi, ma sœur qui me suivent. Car nous avons en nous, Dieu a mis en nous son amour. Selon Romains chapitre 5, verset 5, Dieu a placé en nous son amour. Et c'est cet amour-là que nous devons sauver le monde. Nous devons communiquer la vie. Nous devons communiquer la vie du Maître. Par sa parole. Par notre comportement. Les apôtres aussi grandissaient dans l'onction. Car les apôtres aussi, ils voulaient aussi devenir comme le Maître. Dieu les avait dit, ou Jésus-Christ les avait dit, jusqu'à quand serai-je d'accord avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il y avait un homme qui avait apporté son enfant malade auprès des apôtres. Les apôtres n'ont pas pu guérir cet enfant. C'est ça qui avait étonné Jésus-Christ. Parce que vous êtes avec moi, nous sommes ensemble. Et vous n'arrivez pas à guérir un enfant malade. Jusqu'à quand? Vous êtes chrétien depuis longtemps. Jusqu'à quand vous devez toujours courir? Ou jusqu'à quand vous allez toujours continuer à courir auprès de vos pasteurs? L'esprit qui est dans votre pasteur, c'est le même esprit qui habite en toi, mon frère, ma sœur. Tu dois accomplir de grandes choses par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit puisse transformer ta vie maintenant. Que tu puisses montrer une autre dimension de son onction. Que la victoire t'accompagne. Que le succès t'accompagne. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Tu es un avec la parole de Dieu. Dieu est un avec toi. Car son esprit habite en toi. Continue toujours à nous suivre sur Chilo TV dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.